Hello, lovely people, and welcome to La Délice de Masson. Before you start watching, please don't forget to like, share, and comment. Thanks and enjoy. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello, guys. I hope you are all doing well today. Today, I'm making my plantain tapé-tapé. Mash plantain. Donc, je suis en train de faire mon plantain tapé-tapé aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement et puis on va évoluer pas à pas. Je vais manger mon plantain tapé-tapé avec ces délicieux légumes. Vous voyez, c'est très riche en couleurs, très riche en éléments nutritifs. So, this is really rich in color and it has a lot of nutritional value. So, guys, let's get started. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour faire mon plantain tapé, j'ai besoin bien évidemment du plantain. So, to do my mashed plantain, I need the plantain that I'm going to peel off. Don't worry about the ingredients. Whenever I post it, I will make sure I list everything for you guys. So, I need to peel my plantain. Donc, c'est comme ça que je touche mon plantain. So, I'm going to add it. This onion to flavor the oil. Donc j'ajoute cet oignon pour un peu aromatiser l'huile. Là je découpe le plantain et on doit frire ça à feu doux. Donc l'huile doit chauffer mais pas beaucoup. So we need to get the oil warm, not really hot. I would say hot but not too much. And then I introduce the plantain. So we don't have to get it all the way brown. I fry it for about 3 minutes. Donc on ne doit pas frire ça jusqu'à ce que ça devienne marron. J'ai juste frit un peu pour environ 3 minutes. J'enlève ça de l'huile. Là maintenant je prends le plantain, je mets là et je l'aplatis. So the objective is to flatten my plantain like this. Donc l'objectif c'est d'aplatir mon plantain comme ça. So now I'm going to bring my plantain back in the oil. Vous voyez non? Donc je dois remettre mon plantain dans l'huile encore pour frire jusqu'à ce que ce soit doré. So now I have to fry it until it becomes a golden brown. If you have trouble squeezing your plantain, you can have a paper. This is a wax paper, but any type of paper will work. You put it inside and you do like this. Donc si vous avez la difficulté à aplatir votre plantain sans que ça ne s'éparpille, vous mettez dans un plastique comme ça. Vous écrasez, vous aplatissez et puis vous retirez, c'est simple. So now that I'm frying the plantain, I'm going to slice. This is the chicken breast. Ça c'est le filet de poulet. Et là-bas c'est le champignon. Right there is mushroom. So I'm going to slice my chicken breast. So I'm going to add the chicken and the mushroom. Donc je vais ajouter le poulet et les champignons comme ça. This is white pepper, ça c'est le poivre blanc, j'ajoute un peu. This is black pepper, ça c'est le poivre noir, j'ajoute aussi un peu. And this is salt, ça c'est du sel que j'ajoute aussi un peu. Ça c'est le citron, this is lime, I'm going to add it a little bit. So, and then I will let it cook in its own juice. Donc je vais laisser ça cuire dans son jus. Donc ça c'est les melons, hein. So these are squash, zucchini and yellow squash. So my plantain is ready. I need to scoop it out of the oil. Just checking my pot, which is doing fine. So now I'm going to add the tomato paste. Donc j'ajoute la pâte de tomate maintenant. So I'm going to add the zucchini now. Donc j'ajoute le melon maintenant. After I mix it well, I will let it cook just for 1 minute. I'm adding the carrot now. Donc j'ajoute mes carottes. Je vais laisser ça cuire 1 minute. This is my cornstarch that I just added some water. Donc ça c'est l'amidon de maïs que j'ai ajouté un peu d'eau pour diluer. Now I'm add my soy sauce. Donc ça c'est l'extrait de soja qu'on peut appeler arôme de soja. Et j'ajoute aussi mon
Now we done the maize. I'm also adding my cornstarch now. So now let's add some water to fully cook everything. Donc j'ajoute maintenant un peu d'eau pour bien cuire mes légumes. So this is already cooked. Donc maintenant tout ce qui est dans la mamie est déjà cuit. J'ajoute comme ça la tomate. This is a fruit tomato. Here I have the onion and the pepper. Ça c'est l'oignon et les poivrons que j'ajoute maintenant. Et j'ajoute aussi les brocolis. I'm also adding my broccoli now. I'm going to let everything steam for only 1 minute. Donc je vais laisser ça mijoter seulement pour 1 minute. Mais si vous voulez que ce soit plus cuit, vous pouvez cuire ça plus longtemps. So if you want it to be cooked, more cooked, you may leave it longer. So now my food is ready. I'm going to add in the parsley and the green onion. Ça c'est le persil et l'oignon vert que j'ajoute à la fin quand tout est déjà bien cuit. Donc je vais bien remuer et tout ce qui me reste à faire c'est de servir le repas. So the only thing that I have to do now is just to serve my food. Donc merci de regarder les amis. Nous sommes arrivés au terme de notre cuisson. So thank you guys for watching. I hope you have to try and you like it. Donc vraiment je vous apprécie beaucoup. Donc les amis, vous êtes tous invités. So guys, you are all invited. You see that I made a big bowl of plantain tapé tapé and vegetable. So thank you for watching. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur like pour sur j'aime pour encourager ma sang. Please don't forget to press on like to encourage my son. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. So, on va se voir seulement. See you in my next video. Bye.